Lorsque l'on souhaite calculer la limite de résolution d'un instrument d'optique, on a à notre disposition tout un ensemble de formules et en fonction de la situation, de l'utilisation de l'instrument, on doit choisir certaines de ces formules et en délaisser d'autres. Comment opérer ce choix? Revoyons ensemble. En fait, il y a deux causes qui limite la résolution d'un instrument. Deux causes très différentes. Soit c'est l'instrument lui-même qui s'auto-limite, on peut dire, parce qu'il y a de la diffraction dans cet instrument. Soit c'est le récepteur de lumière après l'instrument qui limite la résolution de l'ensemble. Il faut tout d'abord bien comprendre que ces deux causes sont totalement différentes et que peu importe l'exercice, vous devrez sélectionner une formule de chaque côté. Côté du récepteur et en sélectionner une autre côté instrument. Comment faire cette sélection? Commençons par l'instrument, c'est plutôt simple, il suffit de savoir si l'objet de base est à l'infini ou pas. Si l'objet de base AB est à l'infini, alors la formule est alpha lim égale 1,22 lambda sur diamètre de la pupille d'entrée. Si l'objet AB n'est pas à l'infini, c'est une autre formule qu'il faut utiliser. AB limite égale 1,22 lambda sur 2 fois n sinus u. Donc il suffit de regarder dans l'énoncé et de faire son choix. Pour la sélection de la formule côté récepteur, là c'est un peu plus dense parce qu'il y a deux types de récepteurs. Soit c'est un récepteur d'instrument objectif. Et dans ce cas-là, vous allez avoir certaines formules utilisables. Instrument objectif, donc c'est tout ce qui est écran, capteur, photo, soit, et donc vous allez changer, vous allez prendre d'autres formules, si c'est un instrument subjectif. Car dans ce cas-là, le récepteur de lumière après, c'est l'œil. Donc c'est pas la même chose. Donc vous devez déjà bifurquer et dire bon, j'ai un instrument objectif ou j'ai un instrument subjectif. Une fois que vous avez fait votre choix, eh bien là de nouveau c'est juste de savoir si l'objet est à l'infini ou pas qui vous permet de répondre. Pour les instruments subjectifs, si AB est à l'infini, la formule est alpha lim égale epsilon sur G. Alors que si il n'est pas à l'infini, la formule est AB lim égale epsilon sur puissance de l'instrument. Si par contre vous vous situez dans la situation d'un instrument objectif, si AB est à l'infini, vous avez un alpha lim égale au diamètre du grain sur le F de l'instrument, la distance focale objet de l'instrument, alors que si AB n'est pas à l'infini, vous avez un AB lim qui est égal au diamètre du grain sur le gamma t de l'instrument.
Une fois que vous avez sélectionné une formule côté gauche, une formule côté droit, la conclusion de tout ça, c'est que on garde toujours la plus grande des deux comme bilan final. La plus grande des deux valeurs calculées, en dessous de laquelle on n'arrivera pas à distinguer deux choses. Voilà comment faire votre choix de formule et calculer la limite de résolution d'un instrument d'optique.